On fait le BO platine, on continue. J'ai deux games à faire. On est à 2-1 actuellement, ok? Donc deux games maximum. J'espère qu'on va le rater, comme ça on repassera gold, on se remettra à un certain niveau. Alors vous avez vu sur Twitch la nouveauté là? Vous avez vu la nouveauté? Vous pouvez faire maintenant des short clips. En gros, ils ont intégré Hotshot ou play je sais plus quoi. Enfin, en gros, le truc qui permet de dire ah, je veux revoir les 30 dernières secondes et en faire une vidéo sur internet. Donc ils ont intégré ça. Et ça s'appelle je sais plus quoi. Ça s'appelle clip.twitch.tv. Clips.twitch.tv. Et voilà. J'ai retweeté quelqu'un qui vient de s'en servir. Si vous voulez aller voir mon dernier retweet. Voilà. Alors on est jungle. On est jungle. Et mesdames et messieurs, le fait qu'on soit jungle, eh bien. Nous ravit. Nous ravit bien sûr, puisque nous allons peut-être pouvoir passer. Platine en jouant Lee Sin. D'accord. Donc voilà. Parce que j'ai envie de jouer Lee Sin, j'aime bien, c'est cool. Et voilà. Mais pas sur tous les channels et pas sur le tien. En fait, ça dépend des gens. Il y a certaines personnes, oui. C'est toujours pareil quand Twitch met en place quelque chose. Ça se met en place pour certaines personnes, pas pour d'autres, etc. C'était pareil pour certains trucs. Et voilà. Chimichim s'abonne pour sa 12e année de sub. Salut à toi, bienvenue. Et merci pour ces 12 ans de sub. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Comment ça, non, Palissine? En fait, tu dis non, Palissine, parce que tu as pas vu ma game d'hier avec Lissine, c'est sûr et certain. Donc voilà, donc j'ai retweeté quelqu'un qui s'en est servi de la nouvelle fonctionnalité Twitch. Vous pouvez aller voir. C'est formidable. Et voilà. D'accord. Une feature pas buggée. Non, je pense qu'ils font exprès de le déployer au fur et à mesure, à mon avis. Rassure Juice, je peux lui faire ce plaisir. J'ai de nouveau un boulot. Qui en un aussi pour moi. D'accord, pas de problème. Bah, qui en un aussi pour lui, Juice, rassure-toi. Pas de soucis. Merci Loritan59 pour ton message. On y va. 12 ans, 12 mois de sub. Oui, 12 ans de sub, 12 ans déjà. Quelle fidélité. Merci à lui pour ses 12 années à s'abonner à Zerator Télévision, évidemment. Bon, alors qu'est-ce qu'on a en face? Kindred, il paraît que c'est fort. Brand, il paraît que c'est fort. Harry, il paraît que c'est fort. Harry, il paraît que c'est fort. C'est trop marrant. Harry, il paraît que c'est fort. En un mot, Harry, il paraît que c'est fort. Harry, il paraît que c'est fort. Ah, 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 ah. Yasuo, il paraît que c'est moins fort. Mais ça va, c'est bien, on est content. Alors, par contre, pas Nami. Holda, Verbant, Azir, what the fuck. Hein? Holda, Verbant, Azir, what the fuck, Kata 2016. Bien visiblement, quelqu'un d'énervé. Gragas, paraît que c'est fort. Ah, par contre, Gragas quoi? Parce que Gragas jungle, on connaît. Gragas top, on connaissait. Gragas mid, on a connu. Mais Gragas bot, c'est mort. Donc, il se passe quoi? Il se passe quoi avec Gragas, Kindred? Ou alors Kindred pas jungle? Kindred ADC? Non. Mais non. N'importe quoi. N'importe quoi, vous imaginez? Kindred ADC, ça va pas. Ça va pas. N'importe quoi. So true. Yes. Moi, je mets juste un petit yes. Comme ça, on montre qu'on approuve ses mates en tout début de game. Et ils sont contents. Ils sont contents. Kindred ADC, Gragas jungle. Gragas top, Kindred ADC, Gragas top. Gragas top alors. Bon, on verra bien. J'ai des abos pour bosser mon concours. Aujourd'hui, mauvaise nouvelle, pour une des deux écoles que je veux, c'est un signe. Je donne pour me libérer de la malédiction. Prends, Seigneur, et je rebosse. Courage, Alex, pour tes concours. Courage. Mais ça n'enlèvera rien. Ça n'enlèvera rien du tout. Bon, alors c'est parti, on y va. C'est parti. J'espère qu'on va perdre. Enfin, non, j'espère gagner, mais j'espère, au fond de moi... redescendre gold, parce que platine c'est bien trop haut. Et hier on a eu de la chance, on a fait une game correcte. Pas incroyable, correcte. Ça va, on a fait une bonne game. Une bonne petite game, on s'est bien amusé. Et les gens étaient contents dans la game aussi. Donc ça s'est soldé par une victoire hallucinante, hein, bien sûr. Assez facile d'ailleurs. Mais on était contents. Salut Zera, je suis parti dimanche, je viens de revenir, j'ai raté des trucs de ouf, ou ça va? Non, ça va. T'as toutes les infos sur YouTube au cas où t'as raté. On a annoncé un petit truc par rapport au grand Rex. Voilà. Je continue de faire ma pub, hein. Mardi à 20h, mardi
Mardi 31 mai à 20h, ouverture de la billetterie de la Trackmania Cup numéro 4 pour le Grand Rex. 2000 places de plus. On espère vous y voir. Évidemment. D'accord ? On espère vous y voir. Alors, il y a beaucoup de gens déconnectés. Que se passe-t-il ? Nous sommes dans l'équipe du haut. Nous sommes bleus. Nous sommes donc en haut. C'est très bien. Oh, ça, c'est quoi ? C'est maîtrise 6, c'est ça ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cueillir des cerises. Ou alors maîtrise 7. Ça veut dire qu'il a déjà eu des S avec son... Alors, je ne me suis pas trop renseigné sur l'histoire. Mais en gros, maintenant, moi, j'ai atteint la maîtrise 5 avec Lucine hier. Vous verrez la game sur YouTube. C'était sensationnel. Et en gros... au-delà de la maîtrise 5, maintenant vous pouvez aller à la maîtrise 6. Alors, comment ça se passe? C'est très simple, c'est plus de l'expérience. En gros, si vous êtes maîtrise 5 et que vous avez une note S, vous avez une chance d'atteindre maîtrise 6 en rajoutant des trucs de craft. Ok? Et quand vous êtes maîtrise 6, si vous avez beaucoup de S et tout, plus des trucs de craft, vous pouvez atteindre maîtrise 7. Oui, apparemment c'est ça. Maîtrise 6 violet, maîtrise 7 bleu. Ah, donc violet 6. Ça marche. Pas de problème. À quand la putaclic Prince Adri sur YouTube? Eh ben écoute, ça fait 7 minutes qu'elle est en ligne. Et tu sais quoi? Je vais même la puber. On est en live, mais aucun respect. On va puber cette putaclic Prince Adri. Elle était attendue par beaucoup de gens. Tu fais bien de me le rappeler. My channel. Parce que moi, j'aime pas trop mettre les pubs automatiques. Vous savez, vous pouvez setup que quand vous sortez une vidéo, ça poste tout seul un message sur Facebook et Twitter. Moi, j'aime pas trop faire ça. Vous pouvez reconnaître les messages automatiques parce qu'il y a des guillemets souvent dans ces tweets-là. La putaclic de 2 minutes 30. C'est fou. Elle est incroyable. Et voilà. Parce que jamais 203, blablabla. Moi, j'aime pas trop jamais 203. Cette expression est nulle. Elle me saoule. Elle est incroyable. Pourquoi des fois, on a le... Putain, ça me saoule. J'ai donné hors stream. Je sais pas si tu as lu le message. Bisous du Japon, grand fou. Je te retype dans un mois de Shin Love. Non, j'ai pas vu. Qu'est-ce que tu m'as dit? Moi aussi, vous donnez hors stream. Bon, actuellement, je suis au Japon. C'est chaud de te type en live. Je t'avais dit qu'au prochain voyage, je te ferai un petit clin d'œil. C'est chose faite. Le mois prochain, je te type de la Chine. Bisous, Arnaud. C'est ça que t'avais dit. Merci à toi. Merci beaucoup. Alors, voilà. Beaucoup de gens pensent que c'est l'une des meilleures putaclics. Elle est publiée. Ça y est, elle est pubée. C'est de la bombe. C'est vrai qu'elle m'a demandé pas mal de temps d'écriture. Mais ça valait le coup. Putain, mais lui, il est silver. Pourquoi il y a des silver avec moi? Enfin, des anciens silver. Encore un mec qui se fait PL, ça. C'est ça? On en avait parlé hier. On avait dit, les mecs se font PL et tout. Et finalement, c'était un viewer qui nous avait expliqué qu'il avait des lags et tout. Mais bon, après, est-ce que c'était la vérité? On ne saura jamais. Il s'appelle OMG, en plus. Je pense que c'est un Français. Je voulais te féliciter pour ton premier kill avec Talia lundi soir. En fait, non. Hein? GG. Mais c'est pas comme si on t'avait prévenu pour les 500 places en 2 minutes 30 in tout grand Rex. Non, mais Ulématum. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un truc de fou et tout, et que ça va se reproduire et qu'on va vendre du coup les 2000 restantes en 15 minutes, mais je crois que vous ne vous rendez pas compte. Ah, il est Gold 3 lui. Gold 3, 231. Et en gros, depuis le 17 avril, il joue et il fait commenter. Bon bah c'est bien, on est content. Venez! Compagnon de jeu, venez! Bon, écoutez, laissez la police faire son travail. Je me rachèterai. Dès que j'aurai de plus amples informations, croyez-moi, vous en serez les premiers informés. Mais en fait, c'est de la merde d'Invade là. En fait, le side blue, c'est de la merde pour Invade. C'est mieux. La scène, évidemment. C'est beaucoup mieux d'être side red pour Invade. Vous avez raison. Ah ! Y'a personne. Ils vont peut-être venir check alors. Quoi, ils sont là ? Allez, go, on y va ! Où il va ? 30 secondes. Ouais, je check pas ici, je m'en fous. Mais non, ça sert à rien de mettre une ward là. Là, il va y avoir un mec ici, AFK, qui attend ses groupes. Si, c'est sûr. Ou alors il est là et il attend ses groupes. Mais putain ! Faisons ce qui doit être fait. Bon, ok. Et ben, back. Oh, il est là ! Boum ! Faites quelque chose ! Boum ! Boum ! Boum ! Tuez-le, bordel ! Faites quelque chose ! C'est pas possible. Putain, ça me saoule ça. Bon, c'est pas grave parce qu'il va back. Et il sera pas sur la lane. Mais si, bon, en plus il va être sur la lane. Mais c'est de la merde, pourquoi personne n'y est allé? Moi je pouvais rien faire, ils auraient pu flasher au moins pour s'avancer. Merde! Ah, ça m'énerve, cet invade m'énerve. Oh là là, ça m'énerve, on avait un kill gratuit. En plus, Brom s'est avancé vers nous parce qu'il nous avait pas vu. C'est quoi cette histoire de maîtrise sur LoL? Ça doit faire 5 milliards de saisons. J'ai pas joué, mais j'aimerais bien savoir. Alors, Ali en garde. Tu as tout à fait le droit de savoir, l'accès à la connaissance est un principe
qui devrait être universel. En fait, quand tu joues, putain, quand tu joues plusieurs fois un champion et que t'as des bonnes notes et tout, tu prends l'expérience sur ton champion. Mais il n'y a pas vraiment d'effet bénéfique. En fait, j'ai pas envie de faire le rouge. Si, si j'ai envie de faire le rouge. Mais c'est de la merde de commencer là, putain. Si Juice est un dieu pour moi, tu es mon créateur spirituel, Zerat. Quoi? T'as conscience que ça ne veut rien dire. Si t'en as conscience, c'est bien. En fait, ça n'a aucun bénéfique. Ça n'a, pardon, aucun effet bénéfique d'avoir des maîtrises sur ton champion. Si ce n'est le fait que tu montres aux gens que t'es fort. Tu montres aux gens. Voilà, que t'es balèze, quoi. Pourquoi il a mis une marque sur mes corbins? Salopard, va. Je vais plutôt aller faire le gromp pour avoir son buff et je ferai le bleu plus tard, on s'en fiche après tout. Et si je donnais le bluff à. Le bluff, n'importe quoi. Si je donnais le premier bleu à Harry, pourquoi pas? Non, pour l'expérience, bien sûr, j'imagine. Faut prendre le Z en second. Alors, moi, écoutez, je prends ce que je veux, déjà. Ah, si on faisait un. Oh, il est mort. Non, c'est bon. Oh, j'arrive on my way top. On my way. Premier dash. Deuxième dash. Mais fais pas ça! Je n'ai pas touché. C'est pas grave. On s'en fiche. Ça nous a rien coûté. On s'en va. OMG, cette putaclic de qualité. La putaclic qui fait retomber dans l'enfance. Putain. Oh, il est pas mort. Oh. Qui fait retomber dans l'enfance, tu disais. Et putain, ce qu'il chante bien. Juste combien d'heures de taf? C'était 2h30 de vocal environ. Attends, j'arrive! J'ai peur de croiser l'autre jungler adverse. Bon. Du coup, j'ai perdu ma stance, c'est dommage. Parce que là, par contre, je perds énormément de temps. Là, c'est terrible ce qui se passe pour moi. Mais c'est pas grave. Peu importe. Allons sur le bleu. Brand Nosum. Ouais, je sais. Je sais bien. Go, Kari. Ah putain, j'ai plus de double attaque. Je ne vais pas smiter ce bleu. Voilà, c'est lui qu'il faut smiter. Go, 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 go. Smiter! Mais putain! J'ai visé l'autre! Comme je fais zéro dégâts, quoi. J'ai l'impression que je vais mourir sur le loup. C'est dingo, ça. On se casse. On se casse, on se casse. Vas-y, back. Lui, il est mort, lui? Pas du tout. Oh là là, back! Flash out, c'est bien. Flash out, flash out. Alors hier, j'ai fait le smite vert. Ça m'a plutôt bien réussi. Donc, je vais le refaire. Smite vert into rouge. Hein. Into rouge pour avoir un peu d'AD, comme vous savez. On fait un item AD, qui est le smite. Et ensuite, on part sur de la défense. Parce qu'en fait... Bon, c'est bon, ils vont tuer Braum. Et Vayne. GG bot, du coup on n'aidera plus le bot, d'accord? On n'aidera plus le bot, on va aller voir Brand une fois qu'on aura fait ce pack de golem. C'est cool parce que Kindred n'a pas encore ganké, je crois. Non? Je crois, hein. Il me semble. Je crois. Ok, j'arrive on my way, mid. Un allié a été tué. Ah ben voilà, Kindred a ganké mais il est mort. Du coup, gank raté, a-t-on des buffs sur Lulu 0. Bot summoner. Oh putain, il va warder. Attention. Ah d'accord. Ah d'accord. Bon, tente un bisou. Je sais, il me voit arriver normalement, donc c'est un peu de la merde, mais bon. Ah, il m'a vu arriver. Non, c'est mort. C'est archi mort. Tant pis. Tant pis, tant pis. Il y avait quand même une pink qu'il fallait enlever. Cette pink là, si elle reste trop longtemps, les mecs ont de la chance. Hop, on a tué le carapateur, plus de marque de Kindred. Je sais même pas à quoi ça sert. Faudrait que je joue Kindred, c'est vachement fort et tout, mais ah, j'ai raté. Bon, ceux qui ont vu ma game avec Lee Sin hier, vous savez que sur les Q, j'ai un peu du mal. Ah non, ok, il n'y a plus de Corbin, je me disais quand même. Quand même, quand même. Donc, ceux qui ont vu ma game, je disais avec Lee Sin hier, vous savez que j'ai un peu de mal sur les Q. Voilà. On my way, bot. Go! Ah mais en même temps elle est 2v1, elle va jamais s'avancer. Go! 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 Ok, c'est marrant. C'est ce que j'allais dire, c'est normal. C'est marrant!
C'est marrant ce qui se passe. C'est pas grave, vous savez quoi? On les a baissés en HP et de mon côté, je vais régène avec mes petites popo et le petit raid qui arrive dans 20 secondes. Donc c'est cool. Corbin into raid buff, ça va le faire. C'est pas grave. En silence. Et me dire, tu te rappelles de la marque? Quoi? Mais pas du tout. On ne smite pas. On va smiter le raid pour pouvoir régène. Voilà. 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 Très bien. Attention, j'arrive, arrêtez de mourir. Voilà. Je veux ça au cas où il y a Kindred dans les parages. 480. Ah merde. Voilà, très bien. Bon, j'ai plus de vie, mais attention. Carebot, est-ce qu'on descend? Est-ce qu'on prédescend? Non, on prédescend pas. Peut-être qu'on pourrait, à la limite, faire ça. Oh putain, il y a une ward là, il le sait maintenant qu'il y a ma pink. Elle reste encore pendant 3 secondes cette ward, ok, elle est plus là. Je vais regarder s'il n'y a pas une pink ici. Pénis dodo, pas de problème mec, tu fais ce que tu veux de tes attributs. Il n'y a aucun problème. Ok, c'est pas wardé. Mais là, il va warder ici. Mais il sait pas qu'il y a une pink? Si, il sait. Ou alors, il n'y a pas eu le temps de voir. Aucune idée. Vas-y, essaye un bisou. Try a kiss, babe. Allez! Voilà, nice! Wouah! Tue-le! Oh yes! Bien joué, mon pote! Et en plus, il récupère son bleu! C'est nice! Ouais, ouais, c'est ça, GG. Bien joué, mon pote! C'était bien joué! Tu es sans égal. Oh putain. Du coup, il a volé mon bleu. C'est pas très grave. Kindred est reparti pour le top. Attention. Care top. Bah ouais, non mais mec, là, t'as pas le droit de mourir. Tu l'as vu arriver. Mais t'as pas le droit. T'as pas le droit. T'as pas le droit de mourir comme ça, enculé. Kolodaki, enculé. Quoi? Pourquoi tu ping? Je peux rien faire, t'es con ou quoi? Tu t'es suicidé? On n'aide pas les mecs qui se suicident. Bon, j'ai pas de bot, tant pis. Ah, oh, il s'est suicidé là le gars! N'importe quoi! On ne se suicide pas, bordel de merde. En fait, il avait pas pris mon bleu Kindred, j'avais oublié. J'avais oublié. Le génie qui smite le loup et révèle le jungler adverse en invade malgré lui. Exactement. Mais ça, c'est le talent. Ça, c'est le talent. Bon, je fais le gromp avant alors. Attends, attends, je fais le gromp. Attends. Bon, la bot lane ça roule. Merde, j'ai appuyé deux fois. Et voilà, doublé de Lucian into. Into, je sais pas quoi. C'est bon, ils ont le temps, ils ont le temps. On aurait pu Judith Godrake. Trouver. Tant pis. C'est bon, t'as pas besoin de moi, hein. D'accord. Eh, vas-y, on le tue. Vas-y. Sors-le de là. Oh putain, je suis deg. Oh non, j'ai pas pu finir la ward, j'ai tellement pas de chance. Calme-toi. Calme-toi. Bon, bacon. Jouons safe. Jouons safe, mesdames et messieurs. On va acheter des bots au lieu de finir ce smite. Non, on finit pas. On finit le smite. Finit le smite. Finit le smite. Faut que j'arrive à tuer le gros loup. Attention. Je me rachèterai. Ok. Ok, ok, ok. Je peux les tuer, les loups là, vous voyez? Aïe. J'ai appuyé deux fois. Attends. Courage. Alors on va mettre les mecs en face des types pour voir où en sont les farming, d'accord? Lissine en face de Kindred, machin en face de truc, truc en face de bidule. Hop, on achète ça, ça et ça. Et ensuite je vous fais un point de vue scoring. Into, je vais middle. Ou alors peut-être on va aller le top. Le top il va mourir.
Ouais, ok, ça se passe pas très bien top. En même temps, la seule fois, franchement, là en vrai, il est à 0-1. La première mort, il aurait pu l'éviter. Il a vu Kindred arriver très loin. On lui a piqué 10 fois. Franchement, on aurait pu. On aurait pu. Bon, regardez le petit point farming. Donc, bot, ça win. Large. Mid, ça win. Un peu. Jungle, il gagne. Quand est-ce qu'il nerf Lucian? Quand tu le bannes, abruti. When you will ban him. When you will ban him. Oh, mon item est là, je t'ai dit de te mettre ici. Tu veux pas faire un D-Ward? Eh, Harry, viens nous. Non? Non, mais là, on a pas assez de vision pour tenter un Dragonnet. Eh, j'arrive au bot. J'arrive au bot. That's all me. That's all me. Oh, tant pis, je vais au raid. Hein. Tant pis, je vais au raid. Pas. Tant pis. Il est au top. Non, mais d'accord, il est au top. Tout va bien. Il est au top, ce type. Là, on peut se permettre de smite le rouge. Si on n'a pas trop besoin de régène, ça nous évitera de claquer une popo. Et en plus, on a deux smites. C'est formidable. Profitons-en. Profitons-en. Et on my way, mid. Oh, je vais hit sec. Doit y avoir Kindred. 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 Dead. Doit y avoir Kindred. Doit y avoir Kindred. Doit y avoir Kindred. Non mais attends, le mec vient de rater son bisou comme un caca humain. Eh vas-y, j'arrive. Ouh. Ah. C'est passé. C'était approximatif mais c'est passé. Ça aurait pu être mieux, mais écoutez, c'est passé. Alors, il faut absolument qu'on aille faire le gromp pour avoir ce buff hallucinant. Bienvenue à le Papa Noob, Justice Reigns, Femme à Barbe, merci à toi. Pour ton sub, il faut absolument... Putain, il a fait le gromp. Alors là, je suis hyper vénère. On my way. Putain, espèce de... Connard. Go. Tornade. Tornade maintenant. Ah ouais. Tornade quand même. Ah ah. Pas du tout. Tant pis, on y va. Ah. Oh, j'ai pas de tâche. Non. Adieu. Non. Oh, le bâtard, il a flash. Sur mon clavier. Votre équipe a détruit une tourelle. Bon, pendant ce temps-là, ça prend les tourbots, ça s'est bien passé. Je pensais pas me faire flasher, je suis un peu déçu. Donc là, nous allons faire ceci. On part sur les items défensifs maintenant, vous avez compris? Ok. Bon, Harry. 100 balles. J'ai eu mes examens finaux. J'ai des examens finales lundi prochain. Du coup, je te donne tout avant, si j'en ressors pas vivant, bisous. Putain, mes mecs. La générosité infinie de ce donateur, Monsieur Cyclope, merci à toi. Merci beaucoup pour ta générosité et ton message. Bonne chance pour tes examens. Merde, comme on dit. Et attention ici, ça arrive. Kindred arrive sur le bot. 100 balles. Putain. Merci beaucoup. Ok, on a de quoi enlever la vision. On a de quoi deny l'enemy vision. Alors on va d'abord aller ici, voilà, pour enlever la ward qui est là. Ah, cool. Je suis hyper content. Adieu. Ah. Ah. Oh putain, je suis Faker. Je vais mourir. Ça c'est ballot quand même, non? Le dash ward qui a sauvé la vie parce qu'on a eu des réflexes de porc. Avec une caméra en ZQSD, aucun item et aucun sort en smartcast. Oui, mon pote, c'est possible. J'ai eu la ward avec tout ça, je me rappelle même plus. Et ouais, mon pote. Oh, j'ai aussi eu full luck. Mais ça, ça fait partie du jeu. Et pendant ce temps-là, Harry a tué Brand. On ne ward pas le carapateur. Le monstre. Oh putain. Oh. Turn my life into pieces. This is my last resort. Y'a un mec hyper vénère sur le chat qui a écrit: vous allez vraiment écrire Faker chaque fois qu'il fait pas de la merde? Bad life. Ah. Oh. Tu n'as pas ta place ici, tu t'es trompé de caméra. De chat. Oh pardon. Eh, venez, on fait le Drake. Eh, la botline, venez. Ah merde. Eh, j'arrive. Eh, la vie de Maras, protège-le. Non.
Interruption. Je peux la buter, vous croyez? Non, je pense qu'elle me, qu'elle m'outplay et qu'elle me tue. Un allié a été tué. Tant pis. J'ai pris le groupe de Kindred. Trouvez votre fort intérieur. Lee, what was that, bro? What? I can't kill her. I mean, bah, tu es l'héros de la fight. Bro. Voilà, le bisou. Oh merde! Tu veux vraiment jouer à ça avec moi? Ok, ok, ok. Le bleu. Tu veux le bleu? Tu veux le bleu? Viens chercher le bleu. Ça se passe hyper bien. Alors il y a 12-8 mais... On a l'impression qu'il y a 1 milliard zéro pour nous. Oh putain! Énorme. Dashward. Hein. J'arrive au top. Eh, le top c'est trop de la merde par contre. Le top c'est vraiment trop de la merde. Je peux dash ici? Non, je peux la porter. Le top c'est vraiment de la merde. Ça passe très très mal. La vie de ma race, j'arrive. Tornade. Oh, t'as raté, mec. En plus, j'ai pas mon kick. Oh 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 putain. Je peux pas le tuer, mec. Il va me tuer. Votre équipe a détruit une tourelle. Je peux pas. Qu'est-ce qu'il a en fait? Bon. Je pouvais rien faire. Il en a conscience. Oh là là, je peux pas. Allez! Voilà! Ah non! Ah non! Il me fallait un clic droit! Putain! Oh, oh là là! Je pouvais rien faire! Ok, pas mal. On continue. Comment ça, le noob? Ah non, je pouvais rien faire. Ah non, non, là je pouvais rien faire de plus. Oh, Lucian! Oh mec, Lucian joue tellement bien. Non, non, en vrai, je pouvais rien faire. Je suis pas du tout déçu de ma performance ici. Genre vraiment, je pouvais vraiment rien faire. Oh, fou. Les insultes en allemand. You're playing Lucian, get kill. Get skill, pardon. Alors c'est vrai qu'il les a défoncés. Ça parle de soucis sur le chat. Ouais, ouais, des petites insultes en allemand. Eh. Germans. Focus. Eh, les Allemands. Concentrez-vous. Vous pouvez rien faire de plus, peut-être toucher tes Q-spells. Ouais, il y a un Q-spell qui aurait changé la donne, mais pas tant que ça, hein. Honnêtement, je trouve que je me suis déjà pas mal débrouillé. Hop. Oh. Oh. Non, non, franchement, ça allait. Oh putain, il y a une ward là. Vite, vite, vite. La dernière fois que j'ai enlevé une ward ici, ça se traduit par deux kills. Tu sais, j'ajoute ça en toute amitié. C'est pas wardé, qu'est-ce qu'il y a? Venez m'aider, les gars! Dessus là! Oh merde! J'ai raté! Attendez, attendez! Attendez! Ah! Bon, j'ai eu le drag, je m'en fous! Enfin, je m'en fous! Doublé ennemi! What? Mais what, what? Mais le bleu. Mais mec. Le bleu a rien changé. Le fait que je fasse le bleu a rien changé au combat en fait. Ils sont tellement noobs.
Ils sont tellement noobs. Ils pensent que parce que j'ai fait le bleu, ça a ruiné le teamfight. Mais c'est des malades ou quoi? Ils se sont même pas fait engage. Mais c'est des ouf ces mecs. On est qu'avec des newbies là, qu'avec des mecs stupides. Ils faisaient le Drake. Mais non, mais ça change rien en fait. Focus please. Tant de ping parce qu'il faisait juste un Drake, c'est bon, il s'est rien passé hein. Le fight il a eu lieu après le bleu en fait. Le fight a eu lieu après le bleu, ça n'aurait rien changé. Hein. Ok, là il y a le Brand qui arrive. Éveillez vos sens. Qui est là. Peut-être là. Ok, il y a Gragas qui va faire un carton. Putain, le Yasuo se fait éclater la gueule. Vas-y, fais un petit flash out. Salut, comment ça va? Moi, ça va super, merci à toi. À la base, tu devrais pas faire le bleu. Il y aurait pas eu de fight, il y aurait été fini. Mais il n'y a pas eu de fight. On s'est pas battu. Je suis d'accord avec vous, il n'y a pas eu de fight. On s'est pas battu, on s'est juste fait éclater. Et ils savent pas que j'ai gagné la DH. Ils savent pas que je suis l'invaincu du tournoi amateur de la DreamHack Elite des amateurs. Des élites. Sinon il dirait pas ça. Vous voyez Kindred, le viewer qui m'a reconnu en face, il va pas dire Zerator, machin focus. Il sait qu'il a aucune chance. Salut, ça va? Raté. Ah non, bon jeu, il m'a eu. Comment ça Kindred streamhack? Mais pas du tout. Kindred c'est un bon gars. Oh putain! Si j'avais vu mon flash avant 2 secondes, c'était insect direct. Insect de débutant, c'est-à-dire avec un flash et tout. Haha! Oh merde, sors de là! Voilà! Allez, casse-toi. Ah, pas assez de portée, dommage. Tout raté! C'est ça, flash out, flash out! I wanna make it. Flash out, flash out! Wouah! Cette ultimate de Brand qui a fait 1 milliard de kills! Putain de merde! On s'est fait exploser! Dommage. Bon, maintenant on va peut-être faire de la paix, hein? Petite Banshee peut-être? Non, parce que c'est vrai que j'ai fait de la D, mais au final, les 3D d'Adidé, hein, c'est Vayne, un peu Kindred. Et encore, plus la même. Pourquoi il reste paquet, c'est con? Alors en fait, le temps qu'on se dépaque, on meurt en fait. Donc, c'est comme quand des mecs disent mais pourquoi vous focussez les tanks? Bah en fait c'est les seuls à porter mec. Tu vas pas traverser toute une zone de fight en te faisant éclater la gueule sous prétexte qu'il y a que des tanks devant. Si t'es stupide, on peut rien pour toi. Mais enfin c'est pas grave, vous savez, voilà, il y a plein de gens qui savent pas jouer aux jeux vidéo et qui jouent quand même. Pourquoi on n'aurait pas le droit? Ah, la roulade à gauche, elle aurait pu rouler à droite. Elle aurait pu rouler à droite, c'est comme ça hein, que je voulais dire. C'est les pénalties hein. Oh putain merde. Oh putain merde. Oh putain merde. Ciao. Et pendant ce temps là, ils ont tué Vayne. Ça s'est bien passé. Le chase qui n'a servi à rien. C'est bien de chase Lee Sin, en tout cas c'est vraiment une... C'est vraiment une... Mais en même temps c'est le viewer. Maintenant qu'il a compris que j'étais le streamer, il focus le POV streamer, il a raison. Salut. Je peux pas y aller. Si j'étais fort, je ferais une sec, mais bon. Le problème, c'est que comme je suis pas assez fort, je le fais pas. C'est le turning point de la game. Oh, je sais pas. Non, je pense qu'en vrai, on était devant et que ils sont revenus à égalité, voire un peu devant. C'était pas le turning point, à mon avis. Je pense pas, on était pas encore au turning point. Hey, alors Blue, tout à l'heure, vous avez adoré quand j'ai fait le bleu, je propose qu'on recommence. Quoi? Y'a plus les loups? Fake. Fake, fake, fake. Ta-da-da, ta-da-da. Fake, fake, fake. Fake your Buddha. Viens au bleu! Attendez, fightez pas s'il vous plaît! Si? Ok. Du coup, j'ai deux smites, mais ça sert à rien. Oh putain, tu es mort! Nice, il est mort! C'est gagné! Là, on l'a sauvé lui! Tue-lui! Aïe, 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 aïe! C'est pas grave que je meurs, je suis un tank. Maintenant je suis un tank, putain la chance. Oh lui il est mort. Ok, Penta de Lucian. Ah non.
Outplayed par le mur. Dommage. Allez, le Q. Le Q. Et elle meurt parce qu'elle a pris ce coup de... Oh. Oh. Oh mec. Ce Q spell. Eh ben non, j'avais dit Penta de Lucian. Eh ben c'était presque le Penta de Vayne. On a fait 4 pour 5. C'était pas mal. Holy fuck is going on here. Franchement, c'est une super game. Le Yasuo est tellement mauvais. Bah Yasuo là, il est à 1-9, non? 2-8. Ah putain, j'y étais presque. J'ai dit ça pour rigoler, mais... Alors, faudrait lui expliquer qu'il se peut smite les gens, non? Ah oh, putain, encore un silver sur le chat. Oh les gars. Les gars, il faut s'améliorer à League of Legends. Hein. Faut vraiment s'améliorer à League of Legends. Hein. Pour croire qu'on peut smite les gens avec un smite vert, vraiment les gars, là... Là, je peux rien pour vous, les viewers. Hein. Et oui, c'est de toi que je parle, Nona 1 sur le chat. C'est toi qui t'es trompé. Tu as fait une erreur. Et oui, sur ton ordinateur en chips, en train de bouffer des caleçons. Et oui, tu t'es trompé. C'est dommage. Mais j'accepte volontiers tes excuses que tu feras évidemment, comme toute personne qui se trompe. Il n'y a pas de souci, mais alors, t'inquiète pas, il n'y a aucun souci. Le bleu peut-être, 11 secondes. Tu veux le bleu, Harry? Voyons voir. Mais il n'y a pas de souci, Nona 1, il n'y a pas de problème. Tout le monde peut avoir un problème de connaissance dans le jeu. Il n'y a pas de problème. Par contre, c'est Nona N-A-U. Hein. Écris pas Nona N-O-N-A. Et du respect pour son pseudo, bordel de merde. Du respect. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nashor! Le mec fait des calls. Le mec fait des calls, il sait même plus pourquoi. Nashor! Et si on prenait les towers? Oh putain, il est là! Go! Go! Aïe! J'étais coincé, c'est de la triche. De strangulation avec Stormimus, père. Non, j'y vais pas. Si j'y allais, j'étais mort. Arrêtez. Et où est Vayne? Ah, elle est morte. C'est Vayne qui l'ont tué. Bon, bah go. Go, no Vayne. Ah. Bling, bling. Salut, ça va? Et voilà, c'est la tourelle! C'est gratuit! Regardez, c'est gratuit! Oh, c'est pas très grave en fait de toucher les Q-spells vu que de toute façon je ne compte pas y aller! Vayne vivante dans 18 secondes! Ah, aïe! J'ai mon kick dans 17! 16! Voilà, y'a plus de ward! Vous avez pas de vision, on le sait! Go before Vayne respawn! Je peux pas y aller, je peux pas de kick, je sers à rien. Bien, moins 1. Il faut que j'y aille maintenant. Il y a Vayne. Vayne up. Là, on devrait back à Vayne. On est un peu de back à Vayne. Quoique, ils avancent. Oh putain, il y a Vayne. Non, sors du fight. Non, j'ai pas le temps de kick. C'est de la merde. Adieu, nice flash. Bah elle aussi est morte hein. Doublé ennemi. Putain, si j'avais eu le temps de kick, ce fight était pour nous. Parce que là, Vayne ne tuait pas Lulu et ne tuait pas Lucian. Putain, ça se joue sur un kick, ils font Nashor. Par contre, ils feront pas Nashor à deux hein. Ouais, c'est ça, Brand et Vayne, vous ferez jamais Nashor. Hein. Putain, ça s'est joué sur un kick que j'ai pas pu taper parce qu'elle a bien joué. Elle s'est mise hors de portée du kick à chaque fois. C'était méga close. Putain, c'était close, fait chier, merde. Bon, ils sont devant, faut qu'on arrive à revenir. Il faut absolument qu'on arrive à revenir. En même temps, si j'avais smité les mecs d'en face, hein, franchement. Aïe aïe aïe. Et ouais, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Son GA a pas proc, bug. Quoi? Qui a un GA? Qui a un GA qui n'a pas proc? Bon, j'arrive pas à voir, tant pis. Tant pis. La divers colonne A, fruit d'été, colonne B. J'aimerais bien vous ouvrir de ton cœur, je suis votre meilleur ami. Wouah wouah wouah. Oh oui. Wouah wouah wouah. Non non. Wouah wouah wouah. Na na na. Rap de coup d'arab. J'ai le goût du lapin. Vas-y, j'arrive. Nice tornade, ça. Ça enlève les résistances. C'est bon.
Ravager. Ouais. Et pourquoi Lulu elle voit pas? C'est marrant d'avoir une Lulu support comme ça, genre full support assumé. En mode machin de la montagne. Il faut tuer Vayne. Il faut tuer Vayne, mais le problème c'est que si on tue Vayne, Brand est free DPS. Et si Brand est free DPS. Enfin, si on tue Brand, Vayne est free DPS. C'est terrible cette histoire là. Bonjour, je viens de revoir la putaclic, toujours génial. Du coup, bientôt la putaclic de 5 minutes en l'honneur des 2000 places en 5 minutes. Non, car les 2000 places ne se vendront pas en 5 minutes, faut être fou pour penser ça. Hop, oui, Kaonit. Es-tu fou, oui, Kaonit? Voudrais-tu penser. Voudrais-tu que nous pensions que tu es fou? Putain, j'ai la Banshee, attendez! Attendez, j'ai Banshee! Attendez! C'est hyper important, ça pourrait changer hein. Un combat! J'arrive! Nos ult Kindred. Ouais, c'est vrai. Mais bon, le problème, c'est que si on avance groupé. Qu'est-ce qu'ils foutent? C'était malade ou quoi? Putain! C'était quoi ce back? What the fuck? Mais what the fuck? Raté! Ah, ça aurait été peut-être mieux que je sois touché en fait. Ah, putain! Lulu, merde! J'aurais peut-être dû l'attraper ce coup de Brand. De Brom. Mais bon, en même temps, je peux pas contrôler la nullité des gens qui arrivent pas à dodge un pauvre spell en ligne droite. Hein. Si vous voulez, je vous dis. Enfin, à un moment crucial. T'es mort toi, hein? Tu sais ou pas? Ils vont d'Ashore, ils vont d'Ashore. Venez, Shore. Putain, ils sont chauds de faire un Ashore quoi! Eh, j'ose smite le bleu, non? N'y allez pas maintenant. Si, on y va maintenant. Oh, il a mis de la... Oh putain, ils l'ont. Oh, ils l'ont fait tellement vite. Mais putain, mais on se fait défoncer la gueule. GG, la game est terminée. Je pense que lui va se faire choper. Ah. Ouais, ouais, le Q à l'envers, ouais. Bah, elle pourra pas sauver Lucian. Ah, à mon avis, la game est chaude là. En fait, Vayne nous trichote, c'est ça le problème. Je pensais pas qu'elle ferait Nashor aussi vite. Bon, je l'ai dit, même si je fonçais avec Steel et Nashor, à mon avis, ça changeait pas grand chose. Bon, elle est morte, non, elle est morte. Ah, voilà. Ouais. J'allais dire, est-ce qu'elle survivra à ça? Et là, bleh, elle est morte, direct. Alors, est-ce que je ferais pas un cœur gelé? Le problème du cœur gelé, c'est que. Enfin, ouais. En vrai, faudrait que je refasse de la RM. Mais je peux pas faire de la RM! Ça, je sais pas quoi faire comme item. Une idée, les viewers? C'est un monstre la Vayne. Une côte épineuse, ouais, tant de mails, j'ai pensé aussi, mais. En vrai, y'a pas 10 000 choix. C'est vrai, y'a très peu de Drake dans cette game. Allez, vole-le! Oh, dommage! Et quand je dis abracadabra, on s'éclate et tout disparaîtra par magie! Et tout disparaîtra par magie! Il manque un mot là. Et tout disparaîtra par magie! Côté épineuse ou rendu 1, vous êtes tous d'aguele. Vous êtes tous d'aguele. Parce qu'il y a quelqu'un qui écrit ma gueule sur le chat, je l'ai lu en même temps. Vous êtes tous d'accord, pardon. Vous êtes tous d'aguele. Rendu 1 côté épineuse. Rendu 1 PV plus armor. Ouais, ouais, c'est vrai. Voilà. Bon, mais en fait le problème c'est que leur team est impossible à engage. Parce que même si on arrive à engage, l'ulti de Gragas et de Brome nous éclate tellement. En fait, en vrai, leur compo est tellement forte que je pense qu'il faudrait juste attendre une erreur. S'il y en a une. En vrai, s'ils font pas d'erreur, je pense pas qu'ils puissent perdre. Surtout avec les gros creeps. Oh là là. Ouais, t'as eu raison de flasher mon pote. Oups. Le mec a écrit oups, il s'est pris 1 million de dégâts. Oh, on peut rien faire. Oh putain, Vayne. Vayne pour le QSS. They go with a huge play to QSS. Je ne veux pas toucher Gragas. Ça ne m'intéresse pas de toucher Gragas. Oh putain, attention. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, putain. Oh, attention, sauve-le. Et c'est terminé, nous n'avons plus Lucian. Bravo à tous. Fin de la partie. C'est terminé. Se rendre. Eh bien oui, c'est fini. Nous n'avons plus aucune chance que là ils vont prendre soit trop d'inhib, soit finir la game. Donc c'est terminé. Alors, on va quand même jouer, hein, évidemment.
On joue quand même toujours, mais à mon avis, voilà, soit ils prennent trop d'inhibs, soit c'est fini, ce que je vous disais. Ouais, 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 ouais. Savez-vous quoi? Oh, par contre, s'ils prennent qu'un seul inhib sur la mort de Lucian, c'est des merdes. Oh! Mais elle fait trop de dégâts! 15 millième! Merci beaucoup, la Thor. On se voit le 25 juin en grand règle, j'espère. Oh, je l'ai! Go! Mais non, pas go, si j'y vais, je meurs. Oh non, s'il te plaît, me tape pas. Bon, Lucian, 2 secondes. Lucian est là. J'ai mon kick. Lucian est là. Bon, allez, je vais tenter. Oh putain, yes. Pas mal. En vrai, pas mal. Bon, écoutez. Il fallait tenter. Il fallait tenter. Il fallait tenter. Vous savez quoi? On n'a pas fait une si mauvaise game. GG Kindred, GG à toi. Quel dawa. Mais on avait plus assez de dégâts. En vrai, Yasuo a servi à rien, je pense, en termes de dégâts. Mais c'est pas grave, hein. Gragas a pas été non plus très décisif chez eux, mais il tank, c'est ça la différence. C'est ça la différence. C'est qu'un mec qui sert à rien, qui est censé faire des dégâts, c'est plus gênant qu'un mec qui sert à rien, mais qui peut tank à la fin. C'est ça qui est chiant. Mais bon. On l'a pas eu, tant pis. Alors 2-2 évidemment, comme dans tous les best of 3 très serrés. Et voilà, ouais, Yasuo 18 000, c'est que dalle. Parce qu'en gros, s'il tankait, ça irait. S'il tankait, cela pourrait aller. Ah. Gragas, cela dit, hein. Vous voyez, il a fait autant de dégâts que Gragas, Yasuo. Sauf qu'en fait... pas dégâts infligés, n'importe quoi. C'est quoi? Dégâts subis. Sauf qu'en fait, le problème, il est là. C'est que Gragas, il tank 36 434. Yasuo il tank 29k. C'est terrible. Et moi évidemment j'étais la frontline de l'équipe. Et frontline avec Lee Sin, c'est quand même pas la folie, hein. C'est quand même pas la folie. Donc bon, voilà voilà. Moi j'ai fait ma petite frontline, j'étais content. Alors, évidemment j'étais en sous-dégâts, mais logique, logique. Frontline, comme Braum et Gragas en face. J'aurais pu avoir un peu plus de dégâts, mais non. J'ai fait full tanky. Donc voilà. Écoutez, ça s'est pas si mal passé cette game, mais la compo en face était très forte aussi en fin de game, on pouvait plus vraiment engage. Mais en early mid, on a failli gagner. D'ailleurs, attendez, en termes d'historique, je me demande comment ça s'est passé. Mais on avait le début, je pense, non? Ouais, voilà, on avait le début. Puis ensuite, là, c'était serré jusqu'à ce fameux moment. C'était très serré jusqu'à ce teamfight-là. C'est le teamfight où Vayne a quadra, en fait, c'est ça. C'est Kindred a pris le Drake. Vayne a fait... Non, Vayne a pris... Ouais, c'est ça. Quand Vayne a quadra, la game s'est terminée, en fait. Quand Vayne a quadra, ils avaient 2k d'avance. Après, ils ont refait un teamfight. 4k2 d'avance. Après, ils ont refait un teamfight. 7k1. Et en gros, on ne pouvait plus revenir. Mais c'est dommage, regardez. On avait jusqu'à 5k5 d'avance. Ils sont revenus. Donc, ils ont rattrapé quand même 7000. 7000 d'écart, c'est quand même beaucoup. Et voilà. Et après, il y a eu le Nashor, évidemment. Ça, c'est le Nashor. Le truc que vous voyez là, c'est le Nashor. Et voilà. Mais je trouve ça intéressant, les graphiques comme ça. Donc, on avait bien senti la game. C'est-à-dire qu'ils ont pris un tout petit early. On est revenu, on les a défoncés, machin. Et là, ils ont commencé à revenir. Puis on est revenu, machin, c'était très serré. Et puis là, il y a eu un teamfight. Un teamfight qui a tout fait. Mais bon, normal. Les teamfights à 34 minutes, ça fait beaucoup de choses. Parce que derrière, vous pouvez prendre des inhibs, des objectifs, des Nashor et tout. Et voilà. Mesdames et messieurs, on va refaire une game. Et comme ça, on aura fini le best of 3. Enfin, on va savoir. Oh. Et si on perd, c'est pas grave. On remontera. A tout de suite, on revient.